Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux à la photographie? C'est la curiosité du monde. Comme j'ai commencé à voyager pas mal, c'était une manière de garder les choses quoi, qui m'excitait, qui m'intéressait. C'était ça. Ça a été compliqué pour moi, parce que moi je voulais faire du cinéma. À l'époque, il y avait l'idée que le concours était très difficile. Donc je me suis dit, j'ai pas eu le courage de continuer. Et donc je me suis mis, parce que j'avais des copains qui préparaient les arts décoratifs. Et donc ils partaient en week-end, ils faisaient déjà de la photo. Donc moi, je me suis acheté un appareil photo, j'ai fait comme eux, puis après je me suis pris au jeu. Au début, j'ai fait beaucoup de photos d'architecture, hein, et de nature morte. C'était ça, parce que c'est difficile de photographier des gens. Quand on arrive dans un endroit avec l'appareil photo, tout le monde vous voit. Et puis maintenant, ça ne me gêne plus du tout. Donc, mais ça a été un long processus, hein, quand même. Et c'est vrai que après, ça a été vraiment comme une collectionneuse, c'est-à-dire de prendre les choses comme ça. C'est très égoïste, mais de prendre les choses comme ça, les choses dont j'avais la curiosité, quoi.